Goedemiddag iedereen. Ik heet u van harte welkom op het webinar van de Nationale Bank van België, waar wij vandaag een paar van de belangrijkste conclusies zullen toelichten van ons jaarlijks verslag over de financiële marktinfrastructuren en betalingsdiensten. Het verslag wordt enkel in het Engels opgesteld. Het heet Financial Market Infrastructures and Payment Services. Je vous souhaite à tout le monde la bienvenue à la présentation de notre rapport annuel sur les infrastructures de marché financier et les services de paiement. Zoals de naam het zegt, zijn er twee belangrijke componenten in dat verslag. En dat is enerzijds de financiële marktinfrastructuren. En de financiële marktinfrastructuren zijn zeer belangrijk voor België, want België herbergt een aantal zeer belangrijke financiële marktinfrastructuren met een globaal belang. Bijvoorbeeld Euroclear, de Central Securities Depository System, dus het effectenbewaarnemingssysteem, Bank of New York Mellon, die ook custody services verleent. SWIFT uiteraard, de verwerker van financiële berichten voor banken en andere financiële marktinfrastructuren met een globale werking. En op het vlak van betalingen bijvoorbeeld Mastercard Europe of de business line van de Worldline Groep betreffende de acquiring diensten voor Europa. Een tweede luik dat wij behandelen in het rapport zijn de betalingsdiensten. En betalingsdiensten klinkt eenvoudig, maar is natuurlijk iets complexer dan dat, want daar zijn eigenlijk vijf elementen die op elkaar inwerken en interageren. Je hebt in de eerste plaats de payment service providers, degene die betalingsdiensten aanbieden aan het publiek, dus de bank, met andere woorden banken of betalingsinstellingen of elektronisch geldinstellingen. En zij bieden betalingsdiensten aan op basis van merken van betalingen. En merken van betalingen zijn bijvoorbeeld Bankcontact, Mastercard, Maestro, Visa, de SEPA Credit Transfer, betaalschema's. En die betaalschema's zijn eigenlijk de merknamen om de klassieke betaalinstrumenten te verwerken. Kredietoverschrijvingen, betaalkaarten, direct domicileringen en zo verder. Al dat wordt verwerkt in betaalsystemen. Betaalsystemen waarvan je bijvoorbeeld het nationale Belgische betalingssysteem, het UCV, Le SEC, Center for Exchange and Clearing, hebt. En daarnaast ook het grote Europese betaalsysteem voor grote kritische betalingen tussen institutionele. En die betaalsystemen maken op hun beurt gebruik van operatoren. Operatoren zoals Worldline, STED of ook de Nationale Bank, die een operationele rol heeft in het target gebeuren. Dus voor het volgende in de presentatie gaan we uiteraard niet alles gaan kunnen toelichten wat in deze publicatie verschijnt vandaag. Het staat nu al op onze website. Zoals ik zei, is het in het Engels. Dit webinar gaan we houden in ieder, volgens het principe van ieder gebruikt zijn taal. Maar in ieder geval kunnen alle toehoorders al hun vragen plaatsen in de chat. En daar kan je natuurlijk je eigen taal gebruiken, Frans, Nederlands of het Engels. We hebben vier topics geselecteerd. On a donc sélectionné quatre sujets qui figurent très haut dans notre liste des priorités. En dat zijn eigenlijk de volgende vier onderwerpen. Die zullen gepresenteerd worden door onze excellente experten. Met name, we gaan beginnen met de effecten van de sancties tegenover Rusland, de effecten daarvan op de financiële marktinfrastructuren. Dat wordt gepresenteerd door Laurent Vernimont. Daarna zal Florian Christiaans iets vertellen over het belangrijke project de digitale euro en een aantal zaken die ermee gelinkt zijn, de crypto assets. Ten derde,
de klimaatverandering, de risico's van klimaatverandering op onze financiële marktinfrastructuren, uitgelegd door Dorien de Beukeleer. En als vierde presentator hebben we Ivana Vieira de Melo, die iets gaat vertellen over cyber- en IT-risks. Dus opnieuw de vragen in de chat. We hebben ongeveer tot 2 uur de tijd. En dan zullen we proberen nog 10 minuutjes of maximum een kwartier jullie meest belangrijke vragen te beantwoorden. Daarmee geef ik direct het woord aan Laurent, die na zijn presentatie direct kan doorgaan naar de volgende spreker. Laurent, het woord is aan jou. Oké, dank u wel Jan voor deze uitgebreide inleiding. Dus zoals Jan al aangaf, zal ik het hebben over de impact van de Russische sancties op de financiële marktinfrastructuren. En ik denk dat vooraleer dat we toelichten wat exact wij hier geschreven hebben in dit rapport, dat we best beginnen bij het begin en dat is gaan toelichten waar exact onze competenties liggen als Nationale Bank. Dus het is zo dat in België er een bevoegdheidsverdeling plaatsgevonden heeft, wat dit topic betreft, dus deze financiële sancties, waarbij enerzijds de thesaurie, die zich binnen het ministerie van Financiën betreft, bevindt, een heel aantal verantwoordelijkheden uitoefent en dan anderzijds de Nationale Bank als toezichthouder ook nog een ander takenpakket heeft toebedeeld gekregen. Dus wanneer we gaan kijken naar de thesaurie, dan zien we dat een belangrijk deel van het mandaat zich daar bevindt en die houdt zich eigenlijk bezig met de administratie en de inspecties op de toeleving of naleving van deze financiële sancties door onze Belgische instellingen. Zij hebben onder andere als taken het beantwoorden van vragen bevattende of betreffende die financiële sancties, het eventueel toekennen van afwijkingen op de toepassing van die sancties, ook het behandelen van aanvragen gemaakt door bepaalde instellingen of spelers om bepaalde bevroren tegoeden te kunnen gaan vrijmaken. Ook het beheren van de informatie rond de implementatie van die sancties in België. En tenslotte, zoals ik al aangaf, eigenlijk het algemeen toezicht of op de naleving van die sancties bevindt zich bij de thesaurie. Wij als toezichthouder daarentegen, wij kijken over het algemeen de politiek na van de financiële instelling, de procedures die ze hebben ontwikkeld, de controlemechanismes die ze hebben ontwikkeld en uiteraard ook geïmplementeerd. En in deze context is het zo dat die financiële instelling typisch een monitoring systeem hebben opgezet om hun naleving met die financiële sancties, die embargo's, het bevriezen van tegoeden te gaan kunnen implementeren. Dus wat zij bijvoorbeeld doen, is ze gaan hun databases met al hun participanten, al hun klanten gaan screenen en alle transacties gaan screenen. En wanneer bepaalde transacties of bepaalde participanten potentieel onder die sancties zouden kunnen vallen, dan hebben zij typisch een soort alarmsysteem die hen daarover zal informeren. Daar houden wij toezicht op. Anderzijds ook over de integratie van die verschillende sancties, in dit geval embargo's of het bevriezen van tegoeden in hun politiek om nieuwe participanten of klanten te gaan aanvaarden. En tot slot ook het gaan bekijken of het gaan inspecteren van hun operationeel systeem om die sancties dan ook effectief te kunnen gaan implementeren. En in dit geval specifiek dan het bevriezen van de tegoeden. Dan kunnen we naar de volgende slide, waarin ik kort even wil toelichten waarom wij als Nationale Bank daar dan over willen gaan schrijven. Dus het is zo dat financiële marktinfrastructuren echt centraal staan in het financiële ecosysteem. Wij spreken vaak van de steunpilaren van de economie in ons vakgebied en het jargon in het jargon spreken we soms zelfs van de loodgieterij van de financiële wereld, waarbij wij dan als loodgieters optreden een beetje. Dus zij staan echt centraal en zijn verbonden met bijna zowat alle spelers in de financiële wereld. En we hebben het misschien wel geluk dat in België 2 zeer grote en zeer belangrijke instellingen gevestigd zijn, zoals SWIFT en Euroclear. Uiteraard zijn er ook andere.
En zij zijn dus bij gevolg als financiële marktinfrastructuur verbonden met een heel aantal Russische entiteiten op verschillende niveaus. Dat is ook iets dat we op de rechterkant van deze slide zien. Dat is dat die financiële marktinfrastructuur een heel aantal participanten hebben, die op hun beurt soms een heel aantal onderliggende klanten hebben. Anderzijds hebben die financiële marktinfrastructuur uiteraard ook verbindingen met de lokale infrastructuren in elke markt, onder andere de Russische markt, en daardoor dus ook de verschillende effectenmarkten met elkaar verbinden. En uiteraard een heel belangrijke speler in het hele gebeuren is ook telkens de centrale bank. Zo zijn heel wat centrale banken klant bij deze verschillende financiële marktinfrastructuren. Bij gevolg is het ook heel logisch dat, dat er gekozen is om die sancties te gaan toepassen op die centrale spelers, namelijk die financiële marktinfrastructuren. En dan uiteraard omwille van de grote kritische impact die deze spelers als SWIFT en Euroclear hebben, zijn heel wat van die sancties echt van toepassing op hen en hebben die ook een groot gevolg gehad voor hun businessmodel. Tot slot schrijven we ook nog over dit topic, of alleszins hebben wij als Nationale Bank daar toch nog iets over te zeggen, omdat nu ook die financiële marktinfrastructuur als SWIFT en Euroclear opnieuw heel actueel in het nieuws komen, omwille van de discussies rond eventuele herstelbetalingen naar Oekraïne toe. Dan kunnen we naar de volgende slide. Inderdaad, ik sprak net over Euroclear en dan hebben we het voornamelijk over Euroclear Bank. Dat is de grootste entiteit binnen de Euroclear groep met echt een heel internationaal profiel. Dus denk ik dat het nu ook gepast is om die even te gaan toelichten. Dus Euroclear Bank is een, wat heet een International Central Securities Depository of een centrale effectenbewaarder met een zeer internationaal profiel. Daarmee bedoelen we dat die speler meer dan 1800 internationale participanten kent. Dat zijn geen spelers als u en ik, die misschien nobele beleggers zijn, maar dat gaat dan over de financiële instellingen, banken, commerciële banken, investeringsbanken, brokers en noem maar op, centrale banken zoals ik al aangaf. Dus uiteraard vertegenwoordigen die 1800 participanten natuurlijk op hun beurt opnieuw een heel groot aantal onderliggende klanten. En zij hebben op dit moment ongeveer voor 17 biljoen of 17.000 miljard euro aan effecten in bewaring. Die effecten die vertegenwoordigen wat we noemen een multi-market en multi-currency omgeving. Dus het gaat om effecten van over heel de wereld. Euroclear Bank is verbonden met zowat elke markt die er in de wereld te vinden is. En anderzijds bieden zij ook het afwikkelen van die effecten tegen betaling toe in een heel aantal munten, dus niet enkel in euro als Belgische bank. Ze zijn daarmee de grootste CSD in de Europese Unie. Daar zien we ook enkele cijfers, of alleszins we zien een overzicht van die activiteiten van Euroclear Bank op de rechterkant van deze slide. Dus als we gaan kijken naar de effect in bewaring, dat is dan op basis van de waarde van die effecten, dan zien we dat ongeveer de helft van die effecten een internationale schuld vertegenwoordigen. Dat zijn dan typisch wat wij dan noemen de Eurobonds. En anderzijds de andere helft de lokale effecten uitgegeven in elke markt. Dus bijvoorbeeld de Belgische staatsschuld, de OLO's, of de Franse staatsschuld, enzovoort. Dan hebben we ook een opdeling gemaakt van wat die totale effectendepot vertegenwoordigt qua munten, of hoe dat die munten daarin vertegenwoordigd zijn. En dan zien we dat daar toch de helft ongeveer schuld is die in euro wordt uitgedrukt. Anderzijds is er toch ook meer dan een kwart van de schuld die in de Amerikaanse dollar is uitgegeven. En dan tot slot nog 10% voor de Britse pond en alle andere munten vertegenwoordigen samen 12% van de schuld in depot bij Euroclear. En dan onder deze verdeling zien we dan de settlement turnover. Dus dat zijn dan het afwikkelen van effectentransacties, waarbij we zien dat wanneer we gaan kijken naar hoeveel transacties er plaatsvinden op die effecten, dat een groot deel van die transacties betrekking heeft op de lokale instrumenten van de lokale markten, maar ook daar zitten ook aandelen in, fondsen enzovoort. En dan maar een kleine 20% effectief transacties betrekken tot die internationale schuld.
En dan wanneer we kijken naar de verdeling over de, dus opnieuw dus de transacties, maar dan een verdeling op basis van de munten, dan zien we dat heel wat transacties plaatsvinden tegen een betaling in euro. Dat is bijna 70% van de transacties zijn tegen een betaling in euro, daar waar ongeveer 15% een betaling tegenover de dollar vereist en een kleine 10% tegen de Britse pond en alle andere munten opnieuw iets minder dan 10% in dit geval. Nu, wat is de link met Rusland hier, of waar proberen wij ons alleszins op te focussen in dit artikel? Dat is enerzijds het feit dat Euroclearbank, zoals ik al aangaf, een hele grote speler met een heel groot klantenbestand, heel wat Russische participanten kent. U zult ook wel intussen gehoord of begrepen hebben dat daar onder andere de Russische Centrale Bank bij zit. Anderzijds is het zo dat Euroclearbank voor haar hele klantenbestand, voor de internationale spelers, ook een link, een aanbod wil kunnen bieden naar Russische effecten toe. Met andere woorden, dat de internationale investeerder ook Russische effecten kan aanhouden bij Euroclearbank. En daarvoor heeft zij een verbinding, een connectie met de lokale Russische financiële marktinfrastructuren. Dus dat zijn eigenlijk de twee niveaus waarop wij gaan kijken naar de connectie die Euroclear heeft met Rusland. Nu, wat exact die impact van die sancties is en hoe dat allemaal te werk gaat, is nog niet uitgelegd. Dus dat is iets dat ik hier toch even wil toelichten. Dus omwille van die internationale sancties heeft Euroclear Bank een heel aantal effecten of een heel aantal activa bevroren voor bepaalde participanten of bepaalde onderliggende klanten van participanten. Met andere woorden, de participanten kunnen niet meer aan die activa. Het is natuurlijk wel zo dat die activa hen nog altijd toebehoren. Dus ze worden niet ontnomen, ze zijn enkel bevroren. Nu, effecten die staan niet op de balans van Euroclearbank. Nu, die effecten blijven uiteraard bevroren, maar op een bepaald moment komen er op die effecten wel couponbetalingen of dividendbetalingen. Soms komen die effecten ook gewoon tot vervaldag en dan worden die omgezet uiteraard in cash. Dus uit die bevroren effecten vloeit cash op een bepaald moment. Nu, die cash die is opnieuw bevroren. De participanten kunnen daar ook niet aan, maar cash, zoals u misschien wel zult weten, die bevindt zich wel op de balans van Euroclearbank. Nu, bij gevolg moet Euroclearbank, wanneer die effecten zich omvormen tot cash, moet overgaan tot een risk management, tot een balansbeheer. Zij herinvesteert die cash met heel strenge voorwaarden, met andere woorden, er wordt heel conservatief belegd om uiteraard ervoor te gaan zorgen dat die cash of dat daar weinig investeringsrisico, kredietrisico en marktrisico op zit. Want er is ook natuurlijk het grote risico dat op een bepaald moment de sancties worden opgeheven en dat Euroclear dus een betalingsverplichting, een terugbetalingsverplichting heeft naar al die participanten die op dit moment gesanctioneerd zijn. Als we dan gaan kijken, zoals ik net zei, die effecten worden omgetoverd tot cash. Als we dan gaan kijken hoe dat in de praktijk zich heeft geuit, dan zien we dat bij Euroclearbank tussen 2021 en 2022 er een stijging heeft plaatsgevonden van ongeveer 93 miljard euro van de balans die gelinkt is aan de sancties. Nu, dat is geen eenmalige operatie. We zien dat die stijging zich voortzet. Als we kijken naar de stijging die zich sinds het einde van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 heeft plaatsgevonden, dan zien we dat daar opnieuw een kleine 20 miljard bijgekomen is. Nu, zoals ik ook aangaf, is het de bedoeling of alleszins is het de plicht van Euroclear om die cash te gaan beheren, aan balansmanagement te gaan doen, balansbeheer te gaan doen. En uit dat beheer haalt Euroclearbank ook winsten. En als we gaan kijken op de rechterkant van deze slide wat die winsten dan vertegenwoordigen, dan zien we dat ongeveer in 2022, het fiscaal jaar 2022, ongeveer de helft van die winsten al te wijten zijn of te danken zijn misschien zelfs aan die Russische sancties. Maar bijvoorbeeld het eerste kwartaal van 2023, dan daar zien we dat het aandeel van de underlying business, wat men dan de business as usual noemt, een beetje aan het verwateren is en dat die impact van die sancties nog sterker is geworden, waarbij dat die intussen zelfs al 68% van de winst vertegenwoordigt.
Daarmee heb ik mijn topic gecoverd en geef ik graag het woord aan Florian, die iets meer zal toelichten over de rol van de centrale bank in de nieuwe vormen van geld. Dank u wel. Merci Laurent, bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter ces sujets qui sont hautement importants. Donc pour commencer, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc pour commencer, le rôle que joue la banque dans le développement des nouvelles formes de monnaie, on peut commencer par expliquer ça d'un côté en prenant ce qui se passe au niveau du passif de la BCE. Donc au niveau du passif de la BCE, il faut savoir qu'on travaille actuellement à l'élaboration d'un euro digital. La banque est impliquée à tous les niveaux de cette élaboration et travaille en étroite collaboration avec les organes législatifs européens à ce sujet. D'un autre côté, quand on regarde le passif des entités privées, on peut voir qu'il est également possible d'y avoir des stablecoins qui sont du coup asset-backed, mais également on peut aussi trouver des crypto-monnaies qui ne sont pas backed, qui sont des virtual coins ou alors des utility tokens. Et dans cette catégorie-là, on peut retrouver par exemple le Bitcoin ou l'Ether. Et donc pour ces stablecoins-là et ces virtual coins qui ne sont pas backed, la banque travaille également à l'élaboration de la régulation Marketing Crypto Asset, donc MiCA, en collaboration avec les BA, les SMA. Et ça verra le jour sous peu, mais nous en parlerons plus tard dans la présentation. Donc pour commencer, l'euro digital, pourquoi ? Je voulais commencer cette présentation en expliquant pourquoi, parce qu'on voit beaucoup dans les journaux que l'euro digital, c'est une solution à la recherche de problèmes. Donc ici, on peut trouver les raisons pourquoi est-ce qu'on pense à l'élaboration et à la potentielle émission d'un euro digital. Donc au niveau des consommateurs, l'euro digital apporterait un nouveau moyen de paiement qui serait hybride entre le cash et les moyens de paiement électroniques qu'on a actuellement. Et en fait, il serait aussi proche du cash, et c'est ça qu'on voulait, parce qu'il aurait certaines fonctionnalités qui sont propres au cash, comme la résilience, le fait qu'on peut faire ça en offline, l'immédiateté des paiements, le fait qu'il y a normalement une acceptance qui est obligatoire, etc. Donc ça, c'est vraiment le lien avec le cash qui peut être intéressant pour les consommateurs. Et en plus de ça, normalement, l'euro digital devrait être utilisable dans tous les cas de figure possibles, partout en Europe, avec n'importe qui. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard au niveau justement des fonctionnalités et du design. Pour les marchands, l'euro digital leur fournirait un moyen d'acceptation des paiements supplémentaires et leur permettrait justement d'augmenter leur possibilité de négociation vis-à-vis des acquéreurs qui leur prodiguent les services d'acquisition de transactions. Pour les intermédiaires, le digital euro leur fournirait justement un nouvel outil qui leur prodiguerait un reach qui serait total au niveau de l'eurozone. Donc en fait, ils pourraient dessus construire tout un tas de nouveaux services qui leur permettraient justement d'avoir un reach assez grand. Et en même temps, ça leur permettrait de réduire les coûts généraux parce qu'on dépendrait moins, en tout cas eux dépendraient moins des acteurs non européens, ce qui au final, normalement, si la compétition joue, devrait faire baisser le prix au niveau du marchand et donc au niveau des consommateurs finaux. Et enfin, pour l'eurosystème, une des raisons les plus importantes pour mettre l'euro digital en place, c'est le fait que nous, on pourrait garder une stratégie autonome, une autonomie stratégique, excusez-moi, au niveau de l'infrastructure justement de paiement européenne. Et également, on pourrait conserver un moyen de paiement public dans un monde qui se numérise de plus en plus. Donc ça, c'est pour le pourquoi. Maintenant, on va passer au comment. Donc l'euro digital, comme vous l'avez sûrement compris, serait une monnaie publique et pas privée, comme la majorité des monnaies qu'on a sur nos comptes bancaires pour l'instant. Au niveau des fonctionnalités qu'on pourrait retrouver sur l'euro digital, donc il faut savoir que la manière dont ça fonctionnerait, on pourrait l'avoir sur notre GSM, enfin on pourrait payer au moyen de notre GSM via une application, soit l'application de la banque, soit une application avec un branding européen, etc. Ou alors avec une carte de paiement. On paierait avec un QR code ou un NFC ou la NFC. Et donc ça, c'est pour les paiements. Comme je l'ai dit précédemment, normalement, on devrait être capable d'utiliser l'euro digital également en offline, ce qui est une solution qui n'est actuellement pas disponible sur le marché. Au niveau du compte en lui-même, on devrait normalement avoir qu'un seul compte d'euro digital. Et en fait, pour être sûr que l'euro digital soit utilisé comme un moyen de paiement et pas comme un moyen justement de stocker de la valeur, il y aurait une holding limit qui serait mise approximativement, en tout cas pour l'instant c'est ce qu'on pense, à environ 3000 euros. Et donc à partir de ce moment-là, on n'aurait que 3000 euros sur son compte d'euro digital. Mais comme je l'ai dit,
Le but, c'est vraiment d'utiliser l'euro digital comme un moyen de paiement. Et donc, à partir du moment où on veut recevoir un paiement, imaginons on a 3000 euros sur notre compte, on veut recevoir un paiement de 4000 euros, ça ne passe pas. Donc forcément, la valeur qui est en trop sur le transfert qu'on reçoit sera automatiquement reversée sur le compte commercial lié. Donc si j'ai 0 sur mon compte d'euro digital, je reçois 4000, il y a 3000 qui se mettent sur mon compte d'euro digital et 1000 qui se mettent sur le compte commercial lié. Et inversement, quand on veut faire un paiement de 4000 euros par exemple, il y a 3000 euros qui seront pris du compte euro digital et 1000 euros qui seront automatiquement pris du compte commercial lié, transférés instantanément en euros digitaux et envoyés pour effectuer le paiement. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont nouvelles et qui se rajouteraient aux fonctionnalités standards de provisionnement automatique ou manuel. Comme je l'ai dit, un des avantages pour les consommateurs serait l'universalité d'usage. Et donc on pourrait être capable d'utiliser l'euro digital que ce soit pour les transactions entre personnes, mais également auprès des marchands, en e-commerce, ou alors encore dans les transferts d'argent entre le gouvernement et nous. Maintenant, il faut savoir qu'évidemment, les use cases vont être potentiellement mis en place les uns après les autres. Il ne devrait pas y avoir un big bang avec tout qui arrive en même temps. Donc voilà, il va falloir être patient à ce niveau-là. Et sur la timeline, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc la distribution se ferait via les PSP, comme Yann l'a expliqué. Les PSP, c'est Credit Institution, donc les banques, Payment Institution et E-Money Institution. L'euro digital serait gratuit pour un usage basique. Donc par usage basique, on entend l'ouverture du compte, la fermeture du compte, effectuer des transactions, provisionner de l'argent sur le compte ou retirer de l'argent sur le compte. Et enfin, au niveau de la confidentialité, on envisage qu'il y ait plus de confidentialité sur les paiements à faible valeur en online et une confidentialité quasi totale sur les paiements de toute valeur en offline. Savoir que les paiements en offline seront de toute façon inférieurs à l'online parce qu'il devrait y avoir une holding limit sensiblement inférieure. Et donc, par rapport à l'offline, justement, je n'avais pas fini. Par rapport à l'offline, justement, la confidentialité qu'on aurait serait la même que quand on va chercher de l'argent à un distributeur de billets quand on remet après. Donc on sait avec combien on est parti en offline, on sait avec combien on revient en online, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc voilà, ça c'est vraiment un des avantages, c'est la confidentialité à ce niveau-là, et ça fait justement le lien avec le cash, comme je le disais précédemment. On peut passer à la suite. Au niveau de la timeline, donc c'est un projet qui a débuté il y a un petit temps. Là, donc, on est dans une phase d'investigation qui a commencé en octobre 2021 et qui se termine là maintenant en octobre-novembre 2023. Ensuite, se posera la question au niveau du Governing Council de la BCE de savoir si on passe dans la phase de préparation, qui elle devrait durer entre 3 et 5 ans, avant la potentielle émission d'un euro digital, pas avant 2028. Et il faut savoir que justement, par rapport à cette timeline, il faut aussi compter le fait qu'il y a une législative proposal qui a été faite par la Commission l'année passée, qui doit encore être discutée au Conseil et au Parlement européen. Donc ça potentiellement, ça prendrait plus de temps. Ce sera fait en 2023, 2024 et peut-être 2025. Et donc, ça pourrait rajouter un peu de temps au niveau de l'émission finale. Donc ça, c'était pour l'euro digital. Pour ce qui est de Mika, je vais essayer de la faire plutôt courte parce que je n'ai pas tout le temps qu'il faut. Donc au niveau de Mika, il faut savoir que Mika distingue, comme on l'a dit au premier slide, Mika distingue deux types de crypto assets. D'un côté, les stablecoins, donc ici, comme on peut le voir sur le slide, les e-money token et asset reference token. Et d'un autre côté, les crypto assets qui ne sont pas backés, donc les résiduels crypto assets, comme le Bitcoin ou l'Ether. Donc par rapport au e-money token et asset reference token, la différence principale entre les deux est qu'un e-money token a une valeur référencée qui se référence à une seule monnaie officielle. Contrairement à l'asset reference token qui, elle, a une valeur qui est référencée à potentiellement plusieurs monnaies officielles, plusieurs cryptoactifs ou une ou plusieurs matières premières ou alors même une combinaison de tout ceci. Donc ça, c'est pour la différence entre e-money token et asset reference token. Au niveau des objectifs politiques derrière la mise en place de Mika, c'est vraiment de clarifier le légal partout en Europe, parce qu'il y a vraiment des régimes qui sont différents en fonction des pays partout en Europe, d'essayer de stimuler l'innovation, justement, mais tout en protégeant les consommateurs de ce type d'actifs, et enfin garantir une stabilité financière. Pour ce qui est de la timeline par rapport à Mika, donc la publication a été faite maintenant au printemps 2023. L'entrée en force s'est faite le 29 juin, donc jeudi passé, et l'entrée en application devrait se faire à partir du 29 juin de l'année prochaine jusque fin 2024.
Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci de m'avoir écouté et je laisse maintenant la parole à ma collègue Dorine. Dank je wel, Florian. In de volgende presentatie geven we dus een kort overzicht van wat de NBB doet en wenst te doen in de toekomst met betrekking tot het omgaan met klimaatrisico's en dan specifiek voor de financiële marktinfrastructuren en betalingsinstellingen. Vervolgens geven we ook een korte intro tot enkele opportuniteiten en uitdagingen welke het klimaattopic kunnen brengen voor deze instellingen. Klimaat- en omgevingsrisico's krijgen nationaal en internationaal steeds meer aandacht. De NBB vindt de opvolging van deze risico's in de financiële sector zeer belangrijk. Niet enkel op het niveau van de banken en de verzekeringsinstellingen, maar ook bij marktinfrastructuren en betalingsinstellingen. Verschillende internationale kaders en de richtlijnen werden al gepubliceerd met betrekking tot het omgaan met klimaat- en milieurisico's. Instellingen zoals EBA, ECB en ook NBB hebben deze kaders reeds vertaald naar specifieke richtlijnen voor bepaalde types van instellingen, waaronder banken. Voor CSD's, betalingsinstellingen en aanbieders van kritieke diensten bestaan zulke geaggregeerde sets met principes en richtlijnen die zich specifiek gaan richten op het omgaan met klimaatrisico's nog niet. We hebben dan ook besloten om vanuit de NBB op eigen initiatief reeds een opvolging op te starten omtrent klimaatrisico's bij betalingsinstellingen en marktinfrastructuren. En dus niet te wachten tot er globale en internationale initiatieven gelanceerd worden. We gaan hier kijken op het niveau van de instelling zelf, maar ook op het niveau van het ecosysteem, waarin de instelling een cruciale en centrale rol inneemt. In dit kader hebben we eind 2021 een eerste vragenlijst gestuurd naar verschillende types van marktinfrastructuren en betalingsinstellingen en hebben we enkele eerste interacties gehad met een aantal van deze instellingen. Als vervolg hierop hebben we in juni van dit jaar een tweede vragenlijst uitgestuurd. Het is niet de bedoeling dat dit eenmalige initiatieven zijn, echter wel om de opvolging van deze klimaatrisico's in de toekomst verder uit te bouwen op basis van de inzichten die we verwerven, zodat we de opvolging van klimaat- en milieurisico's bij deze instellingen en het ecosysteem waar ze deel van uitmaken, op een structurele wijze kunnen integreren in ons dagelijks toezicht en oversight. Om compleet te zijn, dienen we ook te vermelden dat enkele van deze instellingen, zoals Euroclear Bank en Bank of New York Mellon, ook een banklicentie hebben. Voor deze instellingen werden door de NBB en of de ECB de voorbije jaren initiatieven ondernomen vanuit het perspectief van het banktoezicht. Vanuit de NBB willen we nu een stap verder gaan en een opvolging uitbouwen die alle types van financiële marktinfrastructuren en betalingsinstellingen omvat. De vragenlijst en de interacties met de instellingen die geven ons ook al enkele eerste inzichten in de opportuniteiten die de instellingen zien, de rol die ze geloven dat ze kunnen spelen in de financiële sector, maar ook de uitdagingen waarmee ze zelf geconfronteerd worden als gevolg van klimaatrisico's. Laat ons nu eerst even ingaan op de rol die ze kunnen spelen bij het groener maken van de financiële sector. De participanten van deze instellingen worden geconfronteerd met veranderende noden en nieuwe uitdagingen als gevolg van het klimaattopic. Marktinfrastructuren en betalingsinstellingen kunnen hun klanten hierbij ondersteunen. Dit kan onder meer door het ontwikkelen van nieuwe producten, maar ook door klimaatgerelateerde elementen te gaan integreren in een bestaande productaanbod. Laat ons enkele voorbeelden geven. Zo heeft Swift een Know Your Customer platform dat zij aanbiedt aan haar klanten. Dit is een platform waar klanten hun eigen Know Your Customer data kunnen registreren en waar ze ook toegang hebben tot deze data van hun tegenpartijen. In dit platform werden een aantal vragen toegevoegd omtrent sustainability. Een voorbeeld op het niveau van CSD's en custodians is dat CSD's en custodians ook collateral management diensten kunnen aanbieden, waarbij ze een platform aanbieden waar participanten onderling collateral kunnen uitwisselen. Hiervoor bepalen de participanten dan een set van criteria die vastlegt welke collateral aanvaard zal worden. Dit kunnen de klassieke criteria zijn, omtrent creditrating van de instrumenten, het type instrumenten die aanvaard worden, maar hier kunnen ze ook klimaatcriteria aan gaan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een minimum ESG-rating waaraan de collateral dient te voldoen. Naast het zelf ontwikkelen van nieuwe producten kunnen marktinfrastructuren ook strategische partnerships aangaan met gespecialiseerde spelers en kunnen ze zo hun kennis bundelen. Zo heeft Euroclear bijvoorbeeld een partnership aangegaan met Greenomy, een onderneming die diensten aanbiedt met betrekking tot sustainability, data en rapportering.
Marktinfrastructuren en betalingsinstellingen moeten natuurlijk niet enkel oplossingen gaan aanbieden om de klanten te ondersteunen, maar bij het omgaan van deze nieuwe noden, maar deze instellingen worden zelf ook geconfronteerd met toegenomen uitdagingen die voortvloeien uit het klimaattopic. Het is belangrijk dat marktinfrastructuren en betalingsinstellingen analyseren wat deze uitdagingen zijn voor hen en bepalen hoe ze hiermee omgaan en welke mitigerende maatregelen ze hiervoor moeten nemen. Dit om de continuïteit van hun operationele activiteiten te garanderen. Gezien de centrale rol die ze innemen, is dit immers cruciaal voor het goed functioneren van de financiële sector. Als betalingen niet meer uitgevoerd kunnen worden, of de uitwisseling van effecten en cash niet kan gebeuren doordat deze instellingen als gevolg van weersomstandigheden of natuurrampen te kampen hebben met regelmatige onderbrekingen van hun systeem, kan dit tot serieuze verstoring van de financiële sector leiden. Marktinfrastructuren en betalingsinstellingen zijn zeer sterk operation-driven. Hierdoor situeren klimaat- en omgevingsrisico's zich hoofdzakelijk op het niveau van het operationele risico en businesscontinuïteit bij dit type instellingen. Het is dan van zeer groot belang dat deze instellingen hun IT- en datacentra en hun operating centers gaan beschermen tegen de toegenomen frequentie van extreme weersomstandigheden en natuurrampen. Bovendien zijn verschillende van deze instellingen internationaal aanwezig en hebben ze vestigingen in verschillende landen over de hele wereld. Dit brengt nog bijkomende complexiteit met zich mee, vermits deze instellingen hierdoor met een bredere set van extreme klimaatomstandigheden en natuurrampen geconfronteerd worden, die elk andere uitdaging met zich meebrengen. De ene regio wordt immers meer gekenmerkt door droogtes of aardbevingen, waar een andere regio vaker te maken heeft met overstromingen. Verder kunnen klimaatfactoren ook voor bijkomende energienoden zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde nood aan koeling voor data- en IT-centra. Dit in een omgeving waar niet enkel de energieprijzen stijgen, maar ook meer en meer regelgeving komt omtrent emissienormen en dergelijke. Het is dan ook voor een uitdaging voor deze instellingen die vaak een business hebben die van nature toch wat energie vraagt als gevolg van de hoge automatisatie en de operationele aard, om hun systemen en platformen zo energie-efficiënt mogelijk te maken met gebruik van zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen. Naast de directe invloed die klimaat- en omgevingsgerelateerde elementen kunnen hebben op de instelling zelf, kunnen klimaatfactoren, marktinfrastructuren en betalingsinstellingen ook indirect impacteren. Laat ons dit illustreren met een voorbeeld dat toont hoe de winstgevendheid en de inkomsten van bijvoorbeeld custodians en CSD's kunnen leiden als gevolg van de klimaatimpact op andere ondernemingen. Zo is een deel van de fee-inkomsten van CSD's en custodians afhankelijk van de waarde van de effecten die ze in bewaarneming hebben. Deze effecten kunnen op termijn waarde verliezen indien ze bijvoorbeeld uitgegeven zijn door instellingen die actief zijn in of grote exposures hebben tegenover wat wij de bruine vervuilende industrieën noemen. Of die gevestigd zijn op een locatie die sterk blootgesteld is aan klimaatrisico's. Wanneer de waarde van deze effecten die de CSD of custodian onder custody heeft afneemt, zullen ook de custody fees, die deels een percentage hiervan zijn, dus ook dalen. Dit brengt ons nu aan het einde van onze introductie tot het NBB Klimaatwerk voor Marktinfrastructuren en Betalingsinstellingen. En dan geef ik nu graag het woord aan Ivana voor cyber- en IT-risico's. Merci Dorine. Donc moi, je vais vous parler des risques IT et cyber, parce que c'est une mission importante de la NBB de promouvoir, dans l'ensemble du secteur financier, la protection des données, des services et des systèmes informatiques. C'est une mission d'autant plus importante que de nombreux changements viennent poser de réels défis aux institutions financières. Dorine vient de vous mentionner les défis générés par le climat. Mais on peut aussi citer, parmi les autres changements et évolutions, le recours de plus en plus généralisé au numérique, le manque récurrent d'experts informatiques sur le marché et la dépendance toujours plus grande vis-à-vis des fournisseurs de services informatiques, tels par exemple que les fournisseurs de services cloud. Certains événements ont aussi introduit leur lot de bouleversements dans le paysage informatique. Citons par exemple la pandémie Covid ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tous ces changements
sont autant de facteurs de risque que les experts, que les criminels peuvent exploiter. On observe que les attaques cyber deviennent de plus en plus sophistiquées, ce qui les rend également de plus en plus dangereuses. Les attaquants ayant souvent une motivation pécuniaire, les institutions financières sont évidemment des cibles de choix, ce qui fait qu'elles doivent rester constamment sur leur garde. Il est dès lors primordial pour elles d'adopter des stratégies de sécurité et de continuité axées sur les principes de défense en profondeur, ce qui leur permet à la fois d'identifier correctement les risques IT et cyber auxquels elles sont exposées et de s'assurer que chaque partie concernée en ait suffisamment conscience. Elles doivent aussi protéger, comme il se doit, leurs systèmes les plus critiques. Elles doivent pouvoir détecter tout type d'incident, de menace ou d'attaque pour pouvoir amorcer une réponse le plus tôt possible. L'enjeu derrière tout cela est de pouvoir s'assurer d'un retour à la normale dans les plus brefs délais, en cas de réel incident ou de perturbation. Et enfin, il ne suffit pas de mettre en place tout un arsenal de mesures, il faut aussi les tester régulièrement pour être sûr qu'elles sont efficaces et qu'elles répondent effectivement aux besoins. La sophistication des attaques et l'évolution constante du paysage informatique représentent aussi un défi pour la BNB, qui doit également adapter régulièrement les instruments dont elle dispose. Parmi ces instruments, on pense en premier lieu au cadre réglementaire. Sur le plan national, bien sûr, avec les circulaires par exemple, mais la BNB contribue aussi activement à l'élaboration du cadre réglementaire à l'échelle européenne et même sur le plan international. Autre instrument auquel la BNB a recours, ce sont les inspections qui permettent de vérifier sur le terrain la conformité au cadre réglementaire, mais aussi la mise en œuvre de bonnes pratiques dans des domaines qui ne seraient pas forcément couverts par la réglementation. La BNB interagit aussi régulièrement avec les institutions au cours de ses activités de supervision, et ce, tout au long de l'année. Nous essayons de nous assurer de la bonne prise de conscience de la part des institutions des menaces majeures. Ainsi, dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons proactivement pris contact auprès des plus grandes institutions. Et nous avons pu constater que l'ensemble du secteur financier avait activé un niveau d'alerte accru afin de parer aux éventuelles attaques. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'incident opérationnel majeur en 2022. Depuis plusieurs années, certaines institutions financières doivent aussi compléter un questionnaire d'auto-évaluation de leurs risques IT, ce qui nous permet d'avoir une meilleure connaissance des risques du secteur, mais aussi de prioriser au mieux nos activités de supervision. Enfin, un autre instrument dont dispose la BNB est le cadre TIBER-BE, que je détaillerai par après, et qui aide les institutions financières à mieux lutter contre les attaques cyber. Après vous avoir exposé en quelques mots le contexte de risque IT et cyber auquel les institutions financières font face, et quelques-uns des moyens mis en place par la BNB dans le cadre des activités de supervision, je vais m'attarder sur deux initiatives en particulier. Et en premier, je vais commencer par DORA. DORA, ou Digital Operational Resilience Act, reflète l'attention grandissante que le législateur européen accorde aux risques IT et cyber. Il s'agit d'un règlement européen, donc ça veut dire qu'il sera directement applicable sans transposition dans la loi nationale et qui est entré en vigueur en janvier 2023 pour être tout à fait d'application à partir de janvier 2025. L'ambition derrière DORA est d'inciter le secteur financier à plus d'innovation en tirant le meilleur parti des technologies, tout en s'assurant d'une bonne maîtrise des risques qui sont liés à cette évolution numérique, afin qu'elle ne se fasse pas aux dépens des consommateurs ou de la stabilité financière.
DORA vise à instaurer un cadre de règles harmonisé qui s'appliquera dans toute l'UE à la plupart des entreprises actives dans le secteur financier. Ces règles communes portent principalement dans les domaines suivants. Tout d'abord, la gouvernance et la gestion des risques informatiques. Ensuite, la gestion et la notification des incidents liés à l'informatique. Les tests de résilience opérationnelle numérique, qui présenteront de fortes similitudes avec ce qui se fait déjà dans le cadre CyberBE. Et enfin, la gestion des risques liés aux fournisseurs de services informatiques. Les exigences en la matière s'appliqueront bien entendu aux institutions financières, mais, grande nouveauté introduite par DORA, la mise en place d'un cadre de surveillance d'un certain nombre de prestataires informatiques considérés comme critiques. Alors, quel est le rôle de la BNB dans ce projet européen? Eh bien, nous collaborons activement à sa mise en place en participant à de nombreux groupes de travail, dont le but est notamment de définir et de clarifier les normes techniques et opérationnelles qui devront être mises en œuvre. Dans le slide suivant, je vais vous parler de Tiber.be. Donc, j'ai évoqué plusieurs fois ce mot. Donc, en quoi consiste Tiber.be? Eh bien, Tiber, c'est un acronyme pour Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming. En d'autres mots, il s'agit de la simulation d'attaques basée sur les menaces les plus plausibles auxquelles une institution peut être confrontée. L'équipe de testeurs essaye ainsi de reproduire ce que des pirates informatiques expérimentés pourraient faire, mais dans un cadre sûr et contrôlé. L'objectif est de repérer les faiblesses dans les systèmes ou les processus et ainsi de rendre ces derniers plus robustes face à de réelles attaques. Tiber.be, c'est l'implémentation au niveau belge du cadre européen Tiber.eu. Et qui a été mis en place depuis 2018. En 4 ans, ce sont quelque 17 tests qui ont été menés à bien dans les institutions les plus importantes. Ces tests représentent une réelle valeur ajoutée pour les institutions financières, même pour celles qui sont plus avancées en matière de sécurité informatique. De fait, les tests effectués dans le cadre de Tiber.be reproduisent des scénarios variés et qui peuvent être très poussés selon le degré de maturité de l'institution. En parallèle de ces tests de sécurité, Tiber.be est aussi un cadre de partage de l'information par le biais d'une communauté d'échange qui s'échange quotidiennement des renseignements sur les menaces cyber, mais aussi de rencontres semestrielles avec les responsables de sécurité informatique des plus grandes institutions financières, que ce soit en Belgique ou en Europe, afin de communiquer sur des expériences de chacun. Ce partage de connaissances permet de rester informé et au fait des évolutions dans les menaces et ainsi de mieux anticiper les attaques potentielles. Je laisse maintenant la parole à Yann pour la conclusion et les éventuelles questions. Merci beaucoup les collègues pour ces présentations excellentes. Je regarde, on est bien à temps, donc on a encore quand même un peu de temps pour répondre aux questions. Je suis ici en train de regarder dans la multitude des questions pour en sélectionner quelques-unes parce qu'on saura pas, on n'aura pas le temps de répondre à tout. Dus ik zie dat vooral de digitale euro een vrij populair onderwerp is. En daarom ga ik naar Florian. Betreffende de euro's en de terugkomende vragen, onder andere een Engelstalige vraag: regarding the digital euro, is it intended as a replacement for cash? Gaat de digitale euro cash vervangen?
Dus Florian, ik heb een driedelige vraag. Hè. Ik heb een driedelige vraag. Het tweede deel van de vraag is, is er een link? Y a-t-il un lien à établir entre les deux, l'euro digital et les crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a un lien de similitude ou de différence? Et le troisième, c'est en fait l'autorité compétente pour MiCA. Peut-être je peux déjà suggérer aan de vraagsteller. Die competentie is nog niet toegekend. Dus dat moet nog op het politieke vlak worden uitgewerkt. Dus dat is nog niet 100% zeker dat dit bij de Nationale Bank zal liggen. Maar ik laat Florian, kan jij even zeker die andere onderdelen van die vraag beantwoorden? Oui. Oui. Donc pour la question relative au cash, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est complémentaire au cash, quelque chose qui sera équivalent au cash, surtout dans la représentation du fait que bah voilà, on peut changer notre monnaie commerciale en monnaie publique, on a toujours l'opportunité de le faire, même dans un monde qui se numérise de plus en plus. Donc ça c'est une première partie de réponse. Ensuite, il faut savoir que la Commission européenne, comme je l'ai dit dans ma présentation, a émis une proposition législative relative à l'euro digital mercredi passé. Et il y avait justement un point relatif au cash et donc le legal tender, donc l'obligation d'accepter le cash a été renforcée en fait, pour être clair, renforcée en lien aussi avec l'euro digital. Et donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir les deux qui coexistent. Maintenant, l'obligation d'accepter du cash est renforcée par la Commission. On va avoir l'obligation d'accepter l'euro digital d'ici peu. Et donc voilà, et de toute façon, il faut savoir qu'on aura toujours la possibilité de convertir notre cash en euro digital via les distributeurs de billets. Donc ça, c'est pour la question relative au cash. Pour la question relative au lien entre les cryptos et l'euro digital, c'est une bonne question. Je pense que il faut savoir faire la différence au niveau des cryptos entre la technologie qui est utilisée d'un côté et l'utilisation qu'on en fait et les objectifs. Donc pour ce qui est de la technologie, certains processus cryptographiques qu'on utilise en cryptographie, comme le hachage, la tokenisation ou encore le modèle UTXO pour ceux qui connaissent, peuvent être ajoutés au projet eurodigital. Donc ça, c'est des choses, au niveau technologique, il peut y avoir quelques similitudes qui vont être mises en place. Maintenant, il faut garder en tête que l'infrastructure sera centralisée, l'infrastructure de base sera centralisée. Ce sera toujours possible pour les PSP de construire une infrastructure supplémentaire sur cette infrastructure de base qui, elle, pourrait être basée sur la DLT, notamment pour les paiements conditionnels, mais il faut savoir que l'infrastructure de base sera centralisée. Donc ça, c'est pour la technologie. Pour ce qui est des usages et des objectifs, les crypto-assets, en règle générale, même une partie des stablecoins peuvent être considérés comme des outils d'investissement au premier abord, chose qui n'est absolument pas le cas pour l'euro digital, vu que le but, c'est vraiment de l'utiliser comme un moyen de paiement. D'ailleurs, pour ça que j'ai parlé de la limite de transaction, mais des possibilités de pouvoir payer et recevoir au-dessus de cette limite. Donc, au niveau des objectifs, il y a quand même une grosse, grosse différence à faire entre les deux et ne surtout pas les confondre. Donc voilà. Et pour l'autorité compétente, MiCA, Yann a répondu ce qu'il fallait répondre, donc je ne m'épancherai pas plus là-dessus. Merci beaucoup, Florian. Entre beaucoup d'autres questions, je vais en prendre un qui est assez sensible, une vrai gevoelige vraag. Voor onze collega Laurent Wernimont betreffende Euroclear. Want inderdaad, de laatste tijd tot vandaag worden daar artikelen in de pers, verschijnen er artikelen in de pers over Euroclear en de link met de sancties. In de pers, de vraag is, Laurent, in de pers verscheen dat Euroclear verwikkeld is in rechtszaken en dit risico's voor de instelling zou vormen. Kan je daar even iets over zeggen? Uiteraard binnen onze professionele secrecy. Want wij kunnen uiteraard niet alles gaan publiek maken. Oké, ja, uiteraard. Dus
Dus het is inderdaad zo dat Euroclear betrokken is. Het is eigenlijk de achterliggende reden hiervan is eigenlijk dat, zoals ik het daarnet heb uitgelegd tijdens de presentatie ook, is dat er heel wat participanten van Euroclear, of toch enkele participanten van Euroclear of onderliggende klanten van die participanten, hun activa bevroren hebben gezien bij Euroclear Bank. Nu, zij gaan daar niet altijd mee akkoord. Soms proberen zij, ondanks de sancties, toch hun tegoeden te kunnen losfrikken. En een van de manieren waarop ze dat dan proberen te doen, is via allerhande rechtszaken. Rechtszaken bij ons in België, maar bijvoorbeeld ook rechtszaken als het dan gaat over bijvoorbeeld een Russische entiteit in Rusland. En die rechtszaken, ja, die bijvoorbeeld wanneer het gaat over Russische rechtszaken, ja, daar zien we toch dat er een bepaald risico bestaat dat die ook in het nadeel van Euroclear worden uitgesproken. En die, dat creëert, of die rechtszaken, die uitspraken creëren ook elke keer een precedent. Die hebben bepaalde precedentwaarden. En die kunnen dus ook bij gevolg leiden tot incentives, tot een bepaalde, laten we zeggen, nieuwe motivatie voor andere spelers opnieuw om rechtszaken aan te spannen. Dus we zien ja, inderdaad dat het wel degelijk een belangrijk risico vormt voor Euroclear in deze, die context, die sancties. Ja, absoluut. Oké, dank u wel, Laurent. Dan kijk ik nog even in al de verschillende andere vragen. Misschien ook eens toch nog een vraag over cyber en IT. Ce sont quand même des sujets très sensibles et, comme j'avais dit dans le début, prioritaire in most of the boardrooms. Le cyber, la question est, and it, it's also in English, which initiatives are planned to create awareness on DORA in the financial industry? Je pense que c'est une très bonne question, je pense, parce que c'est relevant, car puisque je crains que DORA n'est pas encore très très connue, Ivana. Est-ce que je peux laisser cette question pour toi? Non, effectivement, et c'est l'occasion pour nous de faire la publicité pour un workshop que nous organisons le 31 août donc de cette année, qui sera à l'attention exclusive des institutions sous la supervision de la BNB et qui sera l'occasion pour les personnes de ces institutions de prendre connaissance avec DORA. Donc, nous allons expliquer en détail les exigences spécifiées dans DORA ainsi que les standards qui viennent d'être publiés il y a quelques temps de cela. Donc, voilà, parmi une des initiatives que nous allons faire pour sensibiliser le public et les institutions financières à la venue de DORA. Ok, merci beaucoup Ivana. Donc je dirais, watch our website to the public. Maintenant, et pour un peu avoir quand même une question pour chaque domaine, betreffende de klimaat, risico's, Doreen, u heeft gesproken, men zegt hier, u werd gesproken over uitbreiden van analyse en opvolging van klimaatrisico's en zo. Kan u wat meer detail geven over wat precies die analyse inhoudt? En wat kunnen dan onze instellingen onder toezicht verwachten in dit kader? Ja, natuurlijk. Dit zal een mix zijn van enerzijds meer algemene analyses op het niveau van de instellingen en horizontale analyses waar we gaan kijken naar trends, opportuniteiten, uitdagingen. We kijken waar de instellingen al veel progressie hebben gemaakt in dit kader, in welke domeinen de instellingen nog verder vooruit gaan kunnen boeken. En dit wisselen we dan af met anderzijds meer gedetailleerde analyses waar we dan dieper gaan ingaan op één specifiek element. We kijken naar topics van zoals hoe de instellingen de opvolging van klimaatrisico's integreren in hun governance setup, in hun risk management, hoe deze elementen opgenomen worden in het bepalen van hun businessstrategie en dergelijke. Oké, dank u wel. Dank u wel, Doreen. Ik...
Ja, misschien toch nog een laatste vraag, want we zijn al aan het is al twee uur. Et c'est une question pour Florian au niveau des cryptos. Donc, les cryptos seraient ou utilisent, ou la fabrication entre guillemets des cryptos, ils utilisent énormément de l'énergie. L'effet écologique est assez néfaste, est assez négatif. Est-ce qu'on va prendre l'écologie en compte dans le design et l'implémentation de l'euro digital? Oui, alors comme je l'ai dit lors de la précédente partie de ma présentation, on est en train de terminer la phase d'investigation, donc on est en train de terminer les documents qui vont être soumis au Governing Council pour savoir si on passe dans la prochaine phase ou pas. Et à l'intérieur de ces documents se trouvera une analyse d'impact écologique du projet Eurodigital, analyse qui est en train d'être faite pour l'instant par la Banque de France et la Banca d'Italia. Donc il n'y a pas encore vraiment d'informations sur cette analyse, elle devrait paraître à mon avis pour septembre. Et donc pour l'instant, je ne sais pas répondre. Plus longuement que ça, mis à part que c'est quelque chose qu'on prend en compte et qui fera évidemment partie des choses dont on parlera avant de prendre la décision finale de passer dans la phase de préparation suivante. Oui, effectivement, ça me paraît tout à fait logique qu'on va prendre l'effet climat ou écologie en compte, surtout comme régulateur. C'est aussi un point d'importance pour nous, ce qui a Dorine déjà expliqué dans sa présentation. Et je vois qu'il y a encore une question sur ou que Ivana veut clarifier quelque chose au niveau de Dora, correct? Oui, simplement pour préciser que la communication concernant le workshop sera faite dans les prochains jours et sera envoyée par email aux institutions concernées. Très bien, très bien. Ok, merci beaucoup aux orateurs. Grand merci, mes chers collègues. Ook een grote dank aan alle toehoorders om hier bij ons te zijn in het webinar, waar we stilaan een jaarlijkse traditie zullen van maken. En ik wens jullie veel plezier met de lectuur van ons verslag. We zijn het begin van de vakantie, dus neem het gerust mee op vakantie en kom maar met vragen terug naar ons eens u het gelezen heeft of na de vakantie. Bedankt aan iedereen en tot ziens. Dag.